Si Villacaille-Haïti.com, mesdames et messieurs, nous comptons rejoindre encore une fois et nous porter de nouvelles informations pour vous. Et sous ça qui a passé dans le pays d'Haïti, et je dis à la, et gros déblosaï, gros bataille éclatée encore une fois dans Delma, mesdames et messieurs, dans le moment n'a pas parlé là, G9, GPEP, dos à dos, comme toujours, lettre à citron, et bien deux groupes gang ça a cap théorisé moun dans la population. Et mesdames et messieurs, je dis à la, qui yo recommencé bataille là encore là, et gen un pile moun qui getan blessé et moun qui perdi la vie yo, bandit tombé, innocent tombé, qui donc GPEP ak G9 là, c'est yo kap fait et de fait, mesdames et messieurs. Et ben nous pral inviter ou gen détail, nous pral kite otan de sa kap passé là, chef gang barbecue depuis quelques jours, nous pral kite pose l, et ben je dis à qui tourne après le filmé ton audio de yo. Eh bien, mais qui ça qui baye avec sorti barbecue à la, c'est attaqué GPEP et sortant de là en pilrel, nan Delma en pilrel. Et donc, nan Cité Soleil, bagay yo pas douce, même, bagay yo pas douce, innocent blessé et soldat ou bien bandit tombé, qui donc c'est une bataille là qui red. Nous pral inviter ou gen détail. Dossier Louko Desi, qui lui même encore une fois convoqué dans paquet, Port-au-Prince, et se mettre la Fontan cap fait causer. Et donc, la Fontan va décider là pour quitter Louko Desi en seconde. Et bien, c'est vite retourner convocation avec Esaü César. Et bien, gagner mettre Peggy Jean avec mettre Ronald Joyce qui ont même parlé sur dossier ça qui trouvait. Donc, c'est pas possible. Et donc, c'est à des persécutions politiques. En tout cas, Louko Desi nous connaît qui vise tête li comme candidat à la présidence. Si ap gen élection, faut que nous dis ça bien. Et bien, je dis à la qui joue dans pile attaque. Bon côté, Jacques Lafontan, commissaire gouvernement Port-au-Prince, qui lui-même pas décidé eh ben, pour le finir avec le dossier Louko. Et vu retourner là, Louko convoqué dans le paquet avec Esaü après diverses révélations. Choc, il a fait sur le cap gagoté dans le gouvernement. Ça a même, je dis à la Lafontan, monsieur en face avec Louko et face à face avec Esaü César, qui donc bataille la série, nous pas connaît qui est ce cap gagné, mais sauf que. La Fontan, monsieur, pas décidé de baisser les bras. Bon, écoute tout le monde, n'a pas tourné. De l'actualité en non-pays d'Haïti, c'est pour l'autre bord de l'eau. Et bien, encore une fois, et d'entrée de jeu, nous sommes capables de dire, et en défendre, et bien, nous là, dans le cadre, justement, lutte qu'a mené contre Bandio, et bien, administration Biden, justement, et bien, et pour mettre là, dans les jours à venir, pour gagner des nouveaux blindés. Qui va bien jouer PNH dans le cadre de lutte qui a mené contre Bandio, et bien, face à ça, c'est pas seulement bon côté du Canada, et bien, ouais, les États-Unis, et bien, ils ont annoncé, et bien, des nouveaux blindés, et bien, qui va servir pour que nous capables, justement, pour que la PNH soit capable, justement, de mener des batailles contre Bandio. Et sans oublier, et haut commissaire, et justement, et de droit de l'homme, et justement, qui au même, bon côté, Volker Tchut, qui lui-même t'a chité à parler avec justement et Dr. Ariel Henry et dans le cadre de ces sécurités, et bien ensemble de points ça vous allez vous développer, mesdames, messieurs, et bon, on dit réalité dans le pays d'Haïti en dessous. Sans perdre du temps, n'a pas rentré avec information, yo, n'a pas touché dossier sécurité, pendant ouais, après, Torsiel, commune, Pétionville, pour ne pas dire, zone, et Péguiville, et encore, zone, et Timakaka, à diriger, je vous dis là. Le, nous pas parler de Martissan, nous pas parler de Vallée, la Tibonite, non, c'est tout pas commune, Cité Soleil, à côté, nous, écoutez, amis, on pas suspendre chanter entre groupe et gang, pour ne pas dire, estricti gang, ça y est, qui baptisé Genève en famille, ak allié, ainsi que, et j'ai peur pas cap mené par yo moun, tant qu'ou, ti Gabriel, malgré, non fait, fin l'année, monsieur, ça y est, t'es fait un trêve, côté, écoutez, pas chanter encore dans la commune Cité Soleil depuis le début mois de janvier. Nous avons commencé à chanter pendant et jeudi et pendant la journée. Mercredi 8 février 2023, affrontement qui a continué entre Bada Amesilayo dans le niveau 9 selon premier élément de formation et nous avons gagné Gersa et l'ita fait entre et bandits dans le niveau éternoir avec l'autre localité.
arrêté dans commune Cité Soleil pendant bandit excuse-moi pendant habitant du Vivier Barguerfer avec l'autre zone avoisinante ont profité pour lancer un cri d'alarme pour ne pas dire lancer un SOS à bon côté autorité compétent yo nous terrible remarqué plusieurs zones ta bloqué et bien bonne matin mercredi 8 février dans commune Cité Soleil tout près route 9 Carrefour Vincent Carrefour et du Vivier pour ne citer ça ou seulement malgré et population qui était en détresse malgré moun sa yo nous considérer comme étant délaissé et pour contre pendant que nous connaît autorité dans l'état yo pas fait rien yon façon pour capable éradiquer bandi yo moun sa yo qui t'a lancé yon cri d'alarme qui t'a déjà lancé SOS yo yon façon pour autorité policière yo vini yo en renfort pour repousser bandi sa yo qui pas suspendre si mais la trouble qui pas suspendre mettez deuil dans mitan population kabib dans la commune Cité Soleil là pour assouer mercredi autorité au semblé fait la oreille côté bandi yo passé de la parole aux actes pile coup de balle à chanter dans quartier Cité Soleil à moment n'a pas les là respectivement une zone du Vivier Barguerfer avec Carrefour Vincent d'après information qui vient nous en pile monde t'a déjà fait voilà pour pays sans chapeau en babal bandi armé ça au cap affronter nous population et dans zone là qui t'a logé doit être au bilon sous yon et nègre tant coup ti Gabriel ainsi que lui qui c'est numéro 1 instructif qui baptisé EG peuple là jodi a la et noue yon l'autre fois encore la police qui montre que yon pas défendre peuple là et vraiment yon pas défendre moun qui pi vulnérable yo de préférence yon préféré défendre yon série nègre qui ba tête yon non et VIP pendant que yon et prend le malin plaisir pour continuer faire richesse yo sous dos population haïtienne yon gen yon série agent et policier cap sécurisé yo pendant et même policier ça l'œil yon prend la caillou yon pas en sécurité bandi a kidnappé yo bandi a assassiné yo asoya la nous capable dit après et département et l'Antibonite c'est tout pas commune Cité Soleil côté habitant du Vivier habitant barrière fer pour une cité ça seulement a traversé yo moment difficile moun sa yo qui obligé mettre tête yo à l'abri parce que autorité compétente pas déjà attendre SOS pour venir en aide d'un côté bandi et ti Gabriel yo ta envahio déjà plusieurs mouna ta sauté victime par balle sa équipe blessée et l'autre qui t'a évalé et baptisé en balle civile armé silayo donc nous capable annoncer non mon on parlé là et Anderson nous capable dire direction nord capitale là licence est complètement bloquée et nous prenons zone route 9 qui gagne en pile coup de balle capturé gagne justement des monde qui arrivé mourir et tantôt dans camp et population civile là mais dans camp bandi armé autour et également gagné au niveau route nationale numéro 1 au niveau route nationale numéro 9 là disons mieux au niveau Canaran zone ça même qui complètement bloquée et pour déboucher sur Mibalais et gagné un gros mouvement qui même a effectué au niveau et au niveau commune Mibalais par rapport avec monde Mibalais qui attendait et justement aider à soumettre au courant mais zone ça bloqué ça veut dire si on monte absolument du Port-au-Prince pour aller dans le nord ou pas capable passer ni sur route 9 ou à haut niveau ou national niveau 1 sur zone Canaran mais zone Titan également et bien zone ça tout côté ça au bloc même bloqué pendant ce temps nous attendons puis alors annoncé et bien tout le monde qui au même dans pays torsel fermier zone tabac et bien je demande des populations pour des monde qui sont habitués utiliser route ça pas prendre la rue pas passer avec machine et il y a des pour population même qui te zone là et ben nous capable dire direction non capitale là moi on a parlé là il vraiment chaotique nous l'autre côté bandi a tiré bandi a affronté de l'autre côté population pour aller déboucher sur et département central et même les autres ça ou ça même ni bloqué et sans oublier zone Pernier Tonsel zone ça mais qui lui même en ébullition qui lui même très blanche par rapport avec annonce chef gang vite le même fait pour monde dans zone business zone pas ouvrir. Ça veut dire dans mon appareil là, la police nationale qui vient en même, qui s'en sépare là, timide devant exaction bandio, qui au même, et pendant dernier jour ça, malgré justement opération tornade 1 qui annonçait, eh bien, ouais, la police nationale qui parlait casuel, va vraiment, nous voulons jamais vraiment, ouais, résultat, qui au même, et on dit dans le sens concret et en dessous.
Voilà, juste un second, voilà. Et oui, monsieur, on a avancé avec l'actualité. On a salué tout le monde qui est en bas là, bien dans les arts. Les jamais dodo pour pas dire les lèvres tôt. On a salué nous. Et puis, on a salué tous les amis qui en Europe, dans les arts. On a salué nous, messieurs, dames. Oui, monsieur, on a avancé avec l'actualité. Hein. Je pense qu'il faut nous prendre aussi, justement, blindé. Hein. Évidemment, et bon, il y a des gens qui sont déjà contents, mais en même temps, avec mauvaise expérience que nous jouons avec beaucoup de pays Canada. Et qui ça que nous capable d'attendre, mais en point fort pour nous comprendre bien et le sujet. Bon, et Jimmy, nous avons entré avec information ça pendant que nous avons toujours été dans ça qui est pour nous. Avec dossier sécurité pays et d'Haïti, côté assistant secrétaire bureau international chargé lutte contre stupéfiants avec application la loi dans pays et États-Unis annoncé livraison dans prochaine semaine et cap venir en machine blindé et police nationale d'Haïti dans quatre visites dans pays d'Haïti ambassadeur Todd Robinson qui t'a renouvelé engagement pays li gagne une façon pour capable aider Haïti dans la bataille la menée et contre gang armé nouveau machine et blindé qui t'a déjà arrivé n'a travail pour capable gagner l'autre et machine blindé qui livré et dans prochain semaine et tout ça est doué attribué avec et ça qui voulait lutter contre violence avec et chaos en Haïti. C'est déclaration ça Todd Robinson t'a fait et avec et journal Miami Herald après li ta fina inspecté quelques équipements qui t'a déjà livré toujours selon ambassadeur à pays États-Unis continuer et fait et ça que et li capable pour équiper police nationale là et puis inciter et l'autre membre dans communauté internationale là contribuer vérification antécédent selon assistant et secrétaire d'état c'est une priorité absolue et chaque membre et union et unité particulièrement unité et SWAT que et biolien t'a fait objet vérification rigoureuse antécédent avant même yota admis et dans programme et si là et dans ça et noué Robinson et lui-même qui t'a répondu avec un média floridien côté, lui souligner États-Unis comme étant et reste communauté internationale là, pas et contrôlée et tout est facteur et qui gagne une institution et police haïtienne, une institution et viable qui capable sécuriser et payer pour contre mais ça est nous capable de faire un moment ça et nous est fait lui côté, nous est déjà et livré plusieurs et machines blindées dans prochain jour qui gagne vini yo gen l'autre machine blindée k'ap vini toujours nous écouter ambassadeur américain reconnaître écouter et les États-Unis gen en pile et bagaille li pa ka e contrôler et non pa ka e contrôler causer et recrutement non pa ka contrôler et bien gouvernement haïtien et non pa ka e contrôler environnement et politique qui doit clairement échangé pour mettre le pays d'Haïti et sous bon chemin et ça pas problème insignifiant toutefois et Todd Robinson dans le gouvernement américain et promettre et tout et lui fait toute bagaille une façon pour créer espace et nécessaire pour capable aborder quelques problèmes tant qu'au environnement et politique situation politique et puis offrir une certaine mesure soulagement pour et structurer police et nationale qui est dernier étant ça yo et qui paraît inefficace face avec asso et bandio n'a rappelé depuis et dans l'année 2021 jusqu'à date pays et les États-Unis t'a dépensé environ 92 millions et de dollars ces déclarations ça porte-parole département et d'état américain et fait et quantité l'agence ça qui t'a consacré avec information et puis achat nouveau et véhicules et blindés équipement et en cours et gilet et balistique et puis casse pour institution et donc les sous plusieurs vous pas entendez bien du tout jusqu'à présent. Hello. Oui, est-ce qu'on entend bien couleur là? Vous entendez même bas et donc c'est Une nouvelle invitation de la part de Maître Lafontaine, mais cette fois-ci, il utilise ça le défait. Et deuxième fois, il demande des CPJ pour
et tendez pour recevoir Louko pour lui. Donc, qui est impression? Oui. Vous tendez bien coulé, mais George? Bon, pas tout à fait, mais ma vie que vous entendez. Oui. C'est oui. Dans maintenant des positions sur est-ce qu'on vit ça déjà et donc un journaliste qui a persécuté par un commissaire gouvernement peut-être en fait quatrième invitation des CBJ et ni mettre la faute en première version et deuxième version et lui toujours en face Louko Désir ou bien matin débat. Bon, nous mêmes sans nous capables dit n'a préféré nous à sa constitution. L'article 28 de la Constitution qui clairement dit tout haïtien a le droit de s'exprimer librement en toute matière par la voie qu'il choisit. Donc, au journaliste qui a fait une émission de radio qui a dit des bagailles, je ne crois pas que son bagaille qui est pénal. Donc, pour ça t'a attiré l'attention du commissaire du gouvernement, jusqu'à ce que vous t'a invité un journaliste pour venir expliquer. Donc, parce que le journaliste, ça, c'est bon, une accusation dire qu'il fait contre le monde, et puis vous allez dire comme ça que, des diffamations. Diffamation, dit clair, la loi a exprimé clairement, c'est un peu plainte. Ou bien c'est écrit ou bagage et publié. Donc, tel n'est pas le cas. Mm-hmm. Donc, nous toujours dans des locaux, nous remettons dans des locaux, peuple là remettons dans des locaux. Donc, je ne sais pas si ça a fait une accusation formelle des présidents et des commissaires gouvernementaux pour dire jusqu'à ce que. Pour le temps, M. Brand a cité le gros tout et l'autre. Donc, moi-même, je ne pense que ce sont ces formalités. Et là encore, les convocations ont un terme bien gentil et politique. Bien gentil? Oui. Oui, mais le panneau bien gentil encore. Où elle insiste et cette fois-ci, où elle passait encore par DCPJ, c'est hier DCPJ était dans la station. Qui te vine là, donc monsieur, c'est cagoule tout bagay. Peut-être si l'ou côté devant là, dans la rue, hein, ou pas même comme ça qui te passé. Parce que, en principe, nous ka oué mandat invitation. Hein, invitation, mais ou gen doua un deuxième mandat tout d'arrestation tout. Ou par contre, ça ka passé dans bagay ça, non? Bon. Moi-même. Bon, moi, si je crois que son bagay et le côté n'a toujours qui vous a attiré attention comme ce gouvernement. Lui, quand c'est un autre bagay tout. Oui. Ou avant, lui, quand c'est un autre bagay. Qui ça, mon bagay? Et lui, quand c'est pour bien le côté tout. Moi, je me connais. Donc, pour la suite, c'est là nous qu'on répond le bagay là. Et là, il y a un avocat. Parce que. Constitution de l'Europe qui a interrogé personne. Mais George, invitation ça, c'est dans le cadre d'une enquête, oui. Je ne sais pas qui enquête, est-ce que c'est Sati Jante Dia? Ben, elle a changé. Il n'y a pas de tige encore, non? Sati Jante Dia. Ok, moi-même, je vais mettre la charrue devant les bœufs. Et dans le cadre d'une enquête. Une enquête en cours. En faveur de monsieur. Ah, il dit qu'on va faire le contour. Il doit faire ça. Et bien, bonjour, il a fait ça, et puis même côté, il a dit que oui, il a persécuté le groupe. Mais bon, moi-même, comme nous là, il est bon. Comment passer le cas en faveur de George? Le groupe n'a pas d'associé à la justice, donc il faut aller assister de son avocat. C'est l'avocat, nous sortis, nous avons les éléments qu'il faut laisser à nous-mêmes extraire de nous qui a prononcé. Ok. Ok. Mm-hmm. Donc ça veut dire avocat Louko t'a dû insister sous cause là, c'est pas enquête là, il est pas clair, il est vague. Oui, mais c'est là de la connaître. Mais il n'y a pas qu'à parler et tout, c'est là de la connaître. Ok. Oui, c'est comme ça avec avocat. Moi, confiant, il va connaître.
c'est quand on va en faveur le couteau, on va pas comprendre. Commissaire a persisté comme ça. On va en faveur du quoi, commissaire a persisté comme ça. Mais. Va vers là. Mais George. Mais George. Bon, vous connaissez en difficulté. Déjà pour mettre point. Mais en gros, c'est mettre l'arrivée dit nécessaire. Nous avons maître Peggy Jean qui est censé déjà assurer. Avocat et équipe là. Oui, avocat équipe là. Isaïe César. Maître Peggy Jean lui-même qui. Pour le placer moi les dans situation que nous a fait face pour aujourd'hui à pas oublier que c'est une quatrième fois DCPJ direction centrale de la police judiciaire a décidé d'inviter Louko Désir également Isaïe César pour raison pas mentionnée il y a une sorte de c'est toujours Maître Peggy Jean bonjour ou même qui c'est avocat avocat monsieur Maître Peggy Jean et bonjour bien. nous avons quelques jours nous pas parler toute équipe là on salue Jean-Mim de Pétatout, on salue Maître Telfort et on salue Josué Lexidor, Luther Désir avec Isaïe César côté Yoyer en vacances non et m'a suivi le débat là depuis quelques minutes. Permettez-moi de saluer mon estimable confrère Maître Renaud Georges du barreau de Port-au-Prince qui sont intervenus là. Alors, quittez-moi faire des considérations purement d'ordre juridique en tant qu'avocat au barreau de Port-au-Prince. DCPJ jusqu'à ce que lui montre l'autre visage, moi je crois que c'est la police scientifique. La DCPJ, ou elle est la police judiciaire, c'est parce que l'herbe dit que la police est l'auxiliaire de la justice. C'est exactement la police judiciaire même, oui, qui est auxiliaire de la justice. Très bien. Ça veut dire, quel que soit ça en commissaire, quelle que soit action que DCPJ posait, l'y posait pour le compte du commissaire du gouvernement. Et le rôle du commissaire du gouvernement consiste à rechercher à la fois les crimes et les délits au niveau de sa juridiction, bien entendu. Chef de la poursuite. Donc maintenant, est-ce que c'est par délégation du parquet que DCPJ a pas agi, pas qu'on est. Mais moi-même, étant donné que Esaü César, en tant que journaliste professionnel, en tant que père de famille également, donc monsieur gagne des obligations à l'étranger, qui fait que l'IPA, présentement, l'IPA dans le pays. Il y a une correspondance émanant de mon cabinet, qui est en route en direction de la DCPJ. Dans laquelle correspondance nous sollicitons un report de cette audition. Mais ça qui est important pour préciser, c'est que moi dis à la DCPJ que nous avons déjà étonné que la DCPJ n'a rien dit autour du motif de l'invitation, la nature de l'enquête qui serait en cours. Parce qu'elle dit, dans le cadre d'une enquête en cours, c'est vague. Et en quelle qualité la DCPJ voudrait justement auditionner mon client? Est-ce que c'est à titre de témoin ou en tant que prévenu, complice, etc. Donc, alors, il s'agit d'une exigence élémentaire en matière des droits de l'homme et en matière de garantie judiciaire également. Donc, si vous voulez auditionner un citoyen, parce que l'on prend Luther Désir, l'on prend Isaïe César, c'est pas n'importe qui monde. C'est des journalistes professionnels, des leaders d'opinion, des monde qui prend un pile engagement dans la société. Donc, il parle qu'à parler dans le sens, c'est peut-être velléité de censure ou de persécution. En toute franchise, on peut qu'on voulait aller là. Donc, ma fête est CPJ. Donc, la loi va moi. En attendant. Puisque mon client n'est pas disponible, mon client ne sera de retour en Haïti que le 18 du mois en cours. Donc, moi, je dis CPJ à partir de 19. Donc, je mette client disponible pour lui. Mais je demande pour lui prendre le soin de préciser pour mon client le motif de l'invitation. La nature de l'enquête qui est en cours, l'enquête que TCPJ parlait de l'IA, et dans qui qualité. Quelle qualité que Mais toutefois, il n'est pas précisé, parce que moi, dans la première invitation. Bon. Alors, dans quelques minutes, la lettre sera déposée à la DCPJ,
on aura l'accusé de réception. Le client n'est pas disponible. Parce que, en réalité, qui t'aime préciser un élément pour nous. Il y a une pratique en Haïti, commissaire du gouvernement invité, vous ne vous présentez pas, lui fait une deuxième invitation, vous ne vous présentez pas, et puis il faut mandat d'amener. Pas de provision légale qui habilite un commissaire du gouvernement au regard de la loi haïtienne. Exact. Il met un mandat d'amener s'il pas dans le cas de flagrant délit. Et sauter dans le cas de flagrant délit, ce n'est pas invité, tu as invité client, non. Non. Arrestation automatique. Vous voyez, ça signifie nous pas dans le cas de flagrant délit. Mm-hmm. Et si nous pas dans le cas de flagrant délit, le citoyen invité au parquet n'est pas tenu de se présenter. Le citoyen n'est pas tenu de se présenter non. au parquet. Et le citoyen pas présenté, le commissaire du gouvernement, en tant que chef de la poursuite, en tant que garant de la société, il y a trois comportements que le cas a adopté. Ou bien il fait classement sans suite. S'il estime pas qu'il y a suffisamment de matière, par exemple, si c'est ton prêtre qui t'est porté quand t'es arrivé, il a analysé, il n'y a pas de fondement, il fait classement sans suite. Ou bien il fait la saisine du cabinet d'instruction, six dossiers apparentés à crime, ou bien il fait citation au correctionnel dans le cas d'un délit. C'est seulement ça que le commissaire du gouvernement a fait. Mais malheureusement, ça, la loi dit. Nous avons une mauvaise pratique, ça, à tout bout de champ, commissaire du gouvernement, yo, parfois pour satisfaire l'exécutif, à tout bout de champ, lancer des mandats d'amener. Mette Peggy, est-ce que c'est un technicien du droit, c'est un homme de loi. C'est un magistrat que je connais qui connaît profession, qui connaît le limite que la loi balie. Jusqu'à preuve du contraire, on était coin que magistrat Jacques Lafontaine a gagné pour boussole la loi et sa conscience dans le cadre de ce dossier. Maître Peggy, dans le cas où et sorti cité là yo il n'est pas respecté. Par exemple, client dehors, et texte là doit être clair, cause yo doit être clair, ou insister sur yo pour mettre la faute, ou bien des PJ, et vous dire clairement pour qui raison. Si ça n'est pas fait, alors que. Alors, bon, je vais dire des PJ, je vais dire mettre la faute, insister.